Clairement partout où on était au départ, donc on fait le pas. C'est qu'ils ont déjà oublié. Adam 18, 17, Arvenwood. Franchement, j'en suis sûr, tiens. 4. Prison fait accompli. Vraiment, hein. Et moi, j'aurais plus vu. J'espère qu'il va enlever. Vous voyez. Les banaliser que. Je m'en fous qu'il y ait d'autres mecs qui tournent autour, mais tu te prends pour qui, espèce de salope? Moi je parle du principe, c'est à elle de bloquer, tu vois. Moi n'importe quelle fille qui va me tourner autour, je vais la stop. Oui mais tu vas la stop, mais imagine, Bobby, la fille qui lui tourne autour c'est une copine de 26, Bobby, ça va l'attraper, elle va lui baiser sa mère, c'est normal. Espèce de salope à 22. Mais après 107, ouais c'est mon agent, tu vois, c'est pas... Oui mais je lui parle pas en dehors, tu vois, on se parle pas, on fait pas des soirées, c'est pas comme si... Venez, je vais vous aider à marcher. Vous les voyez, ce que vous pouvez toujours Viens, Glenn, capitaine. S'il vous plaît, regardez, vous savez très bien comment ça va se passer. Ils vont les récupérer. Oui. On les démasque, on prend les identités, et si jamais ils les sauvent, ils vont partir en cavale. Mais là c'est. Pourquoi on les démasquerait pas? Pourquoi? Parce que le truc, je vois le truc venir que si on les démasque, on met les otages en situation d'attache. Mais non, regarde, on va. Et bah, c'est simple, mais attends, au pire, c'est eux qui ont. Oui, vas-y. Je sais que vous êtes fatigué, vous aussi. Non, mais vas-y. Glenn, pour moi, en fait, c'est à eux de rentrer en négociation, de nous dire, ouais, démasquez les pas, sinon je bute un agent et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis bien d'accord, mais le truc, c'est que démasquer, là, les démasquer, ça pue la merde. On va en payer les conséquences, c'est sûr et certain. Là, c'est pour ça que là, il faut le faire intelligemment, vraiment. Autant prendre le temps, et si on doit les démasquer... Quel flop. Allez, hop. Bah ouais. De 26, est-ce qu'on a eu des nouvelles de Charlie, s'il vous plaît? Quel bâtard! J'ai grandi avec elle. T'es prêt? Prêt ou pas? T'es prêt? Ouais, je peux l'être prêt. 3, 2, 1. Yoooooooo! Oh! Non! Me dites pas ce fils de pute! Me dites pas celui qui a fait ça! Oh, mais là, c'est pas normal. Je vais le baiser, hein. Fils de pute, là. C'est d'accord. Les normes sur un terrain, c'est déclaration de guerre. Moi, je vais dire un truc. Je vais dire un truc. Je suis pas ton frère, ok. Je sais pas si t'as vu la couleur de peau, mais je vais dire un truc. Moi, je suis pas les autres fils de pute de Bisounours qui va dire, ok, mon terrain, c'est comme ça. Viens pas, s'il te plaît. Si tu viens, je vais pas être content. Je suis pas comme ça, moi. Mais je suis pas en train de me plaindre. Tu viens sur mon terrain. Oui, depuis tout à l'heure, tu chiales. Donc, viens sur mon terrain. Sors une arme. T'as vu, je m'en bats les couilles. Parce que t'es une chialeuse. En train de discuter. Parce que t'es une chialeuse. Depuis tout à l'heure, tu pleures devant mes yeux. Dans les voitures, ça mais tu montes de quoi, mais. Donc, pour. Ça sert à rien de parler, on se barre. Ok. Ok. C'est quoi, unique. Bon, je t'appelle, Lucien. Là, je te dis, hein, juste je te dis un truc. Hein. Là, tu plantes mon gars. Si mon gars ne revient pas sain et sauf, ça va prendre une autre dimension. Sache-le. C'est quoi, ouais, de quoi? Et alors, tu menaces de mort, tu menaces de mort, mes gars, c'est normal, c'est normal. Mais de bif de quoi? Mais bif de quoi? Bif de quoi? Je t'appelle, Lucio. Vas-y, appelle, et fais attention comment tu m'appelles. Écoute-moi bien, tu es mis en cellule, dorénavant, d'accord? Donc quand on te dit de te taire, c'est oui, monsieur l'agent, je me tais. Bordel de merde, qui c'était? T'as été éduqué dans quoi? Je te jure, t'as été éduqué dans un trou de balle, dans le trou de balle de ta mère. Elle t'a chié, enculé. Comme je t'ai dit, t'es un fils de calamère. Il faut qu'on aille chercher le mec qui a fait... Bordel, j'ai un uniforme. Ça fait 25 ans que je suis spécial. J'ai jamais vu un mec qui a une aussi grosse gueule que toi, espèce de sombre merde. Va te faire foutre, enculé. Va te faire foutre. C'est bon, chérie. Laissez-moi.
Attends mais c'est trop cheaté. Attends mais quoi? Mais c'est trop cheaté frère. Je suis dans le passé les gars. Pardon, flashback. Je suis vraiment désolé, flashback. Dis-nous quoi, trop drôle, sérieux. Que du plaisir. Je l'attends un peu parce que j'ai l'impression que ce bleu, il est un peu lent. Force bleue, réveille-toi, force bleue. Qu'est-ce que tu fais, force bleue? Tu t'es pris un buisson. Mais tu préfères quoi, dis-moi? Mais encore une fois, comme j'ai dit à Sherlock, vous faites ce que vous voulez, les gars, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, hein. Moi, je m'en bats les couilles de qui vous êtes, de qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que... Même David, machin, etc., c'est ton passé. Non, hier, tu m'as lâché un manque de respect, tu m'as parlé comme... Mais toi, t'es nul. Écoute, normal, tu pues la merde, toi. C'est normal, toi. Voilà. Vu comment... Eh ben, toi, t'es une merde, je t'encule, même t'es là. Arrêtez, yo, putain. Du coup, on... Calme. Bonne! Non, tu t'es pas battu. On s'est beau cuir aujourd'hui? Non, tu t'es. Allez là, les pépés, venez vous déhancher sur la pluie. Aïe! Écoutez. Vraiment, calmez-vous. Oui, calmez-vous. Vous êtes trop bouillants, les gars. Là, je vais vous baiser là, calmez-vous. Si vous m'écoutez pas, c'est moi qui vais vous baiser. Vas-y. C'est de quoi, frère? On va aller voir les caméras, si on arrive à voir les plaques des véhicules qui sont voilà. Qui étaient là-bas. Là, Kael, on est d'accord. Là, on est bien. Là, oui. Là, parce que là, sinon, attention, ça peut être n'importe non, qui, va, on... ça peut être mille navigateurs, oui. Ça peut être ce que vous non, voulez. Merci. Là. On va aller vérifier ça. On va voir s'il y a, il y a des caméras en plus au Club 77. Oui, on va aller. Caméras d'ailleurs là où ça a tiré. On va aller voir. On va aller voir. J'ai plein de. Oui, monsieur. Ouais, oui, du coup, je me suis renseigné. On n'a pas de convoi ce soir, donc. Ah merde. Je sais pas de quel vous parlez. J'ai trompé de samedi, ouais, autant pour moi. Ouais, c'est samedi prochain, je crois, non? Ouais, je pense, ouais. Ouais, autant pour moi. Ouais, pas de soucis. Gracias. Attendez, mais vous êtes du nord Sandy? Non, du nord, nord plus haut, vers le Canada. Ok, mais c'est vous qui avez vu le tag? Quel tag? Ta grosse daronne. Le petit blondinet qui parle là. Ouais, c'est moi, connard. Adam 08, il y a joué la dernière 10 sur ta mère, toi. Moi, je te baisse ta mère. Attends. Viens là. Ah, vas-y, me parle pas. Comment ça me parle pas? Vas-y, fils de pute, t'as pas les couilles. Sa mère à lui là. Ramon. Qui s'est mis au blondinet là? Tu fais le malin, toi. Ah ça, mon gars, mange le sol là, mange le sol. Connard, je vais t'éclater. Voilà, mon cher monstre, moi. Tiens, regarde. Touche un membre de ma clique. Ah, on a un truc à dire. Ah, c'est quoi ça? Aïe, alors, aïe. Ils sont envoyés. 08, on y est en code 5. Tu as un putain de monstre, moi. Eh, j'ai pas dit mon dernier mot. Ah, bah si. Je crois que si, hein. Pas si, en fait. Moi, Jay, tu vois, Jay, je vais te dire une chose. Oui, je t'appréciais. Oui. T'étais gentil. T'étais au hood. Je passais de bons moments dans le hood. Tu faisais des choses carrées. On t'appréciait, tu vois. Et d'autres, il y en a certains ici qui t'appréciaient plus que d'autres, t'as vu. T'es un bon petit boy, hein. Tu faisais tes affaires. Tu faisais ton business. T'es tranquille. Mais putain, qu'est-ce que t'es parti prendre une putain de vidéo, sérieux? Qu'est-ce que t'es parti filmer des gens? Tu sais à qui t'as affaire?
Non. Tu fais chier, sérieux. Tu fais chier. Parce que je peux plus te sauver, là. Je peux plus te sauver, tu t'es mis dans la merde. Putain. Comprends-le, sérieux. Tu t'es mis dans la merde. Je sais. Y'a des gens, ils vont arriver, tu sais ce qu'ils vont faire. Ils vont t'embarquer dans un putain de coffre et tu vas caner ce soir. Donc fais tes adieux, pense à ta mère, ton père, j'en sais rien. Et tu vas caner ce soir, Jay. Tu vas caner. Et c'est pas ce que j'aurais voulu, hein. T'es un bon petit boy, t'as vu. Encore beaucoup à faire. Ok, c'est parti. Et que ça serve d'exemple pour tout le monde, hein. Le premier qui parle, il va finir pareil dans un coffre. Oh, on a pas besoin, t'inquiète. Bah ouais, bien sûr. Putain. Et je la sors, attends. Il a été trop con, sa mère. Putain, il faut que ça me casse les couilles, cette histoire. Ouais. Tout ça pour une putain de vidéo, yo. Ce qui m'a énervé encore plus, c'est qu'il voulait pas se faire pardonner. Il voulait pas, il a assumé, t'as vu, au moins on pourra pas dire qu'il a nié en bloc, il a assumé. Ouais, il a assumé, d'accord, c'est bien. Pourquoi? Pour finir 6 pieds sous terre? Bah écoute, là tu sais qu'il est mort. Putain de merde, yo. Bah là, s'il se défend comme il se défend là devant nous... Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas les couilles ou quoi là? T'as pas les couilles? Vas-y, donne-moi ça. T'as pas les couilles ou quoi? T'as pas les couilles ou quoi? T'as tes couilles ou quoi? Faut le fumer, ce fumier. Tiens, vas-y. T'as pas les couilles ou quoi? Y'a seul moyen, les gars, de comprendre en RP qu'il marche pas le truc. Dernier mot, bas salope. Y'a seul moyen en RP de savoir qu'il marche pas le truc. Tiens, je te fume, fils de pute. Vas-y, tire. Ah, fils de pute. Et fume-le. Non, tu es une salope. Oh mon dieu. Voilà. Mes oreilles. Hein? Aïe. Fils de pute, viens là. Non. Il y a un soir, le capitaine nous avait fait sauter en parachute. D'aller de Vainwood. Je suis chaud, si vous organisez ça. Bah, oui, si vous allez dormir, vous dites TikTok, moi je regarde, c'est Valo. Ah, là je peux dire des grosses fesses aussi. Okay. Le truc des caméras là pour que je t'en sais quoi, ça m'a fait un peu. Ça m'a fait gagner. La Dame 08, on est au niveau de la bijouterie, il y a des hommes masqués et armés juste devant la bijouterie. Mais le RP, j'évite, ça m'énerve. Ah, ouais. Combien de véhicules à peu près? Bon, bah bonne nuit. Soit ça te spoil, soit ça t'énerve, soit c'est hors contexte. Y'a des trucs drôles, mais ouais. Madame 36, on est disponible, tu vois, c'est 17. Allez-y, hein, mais... Bah, attendez quand même un peu, on sait pas si on a... C'est moi qui ai créationné Need for Speed Most Wanted. Ok, là, la ligne droite, je la sens bien, là. Là, alors là, je la sens très bien, là. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai fini à l'auto. Reste à droite. Tout droit. Ça va le... Ah non, mais c'est pas toi, hein. C'est pas toi. Je sais pas. Oh, je sais pas. C'est quoi? Wesh. Mais rien. Je sais. Qu'est-ce qui se... C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais quoi? Je sais pas ce qui se... Mais attends, mais... Mais attends, mais je suis possédé par un esprit ou quoi? Sur ma vie, baby. Mais quoi? Je suis possédé, je crois. Pourquoi? Mais je fais rien, là. Wesh. Quoi? Mais wesh, mais baby. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais sur la vie de ma mère, je fais rien. J'ai des espaces, mais qu'est-ce qui se passe? Mais attends, ça va ou... Mais sur la vie de ma mère, que je sais pas ce qui se passe. Attends, je vais faire un dodo, là, il y a un problème. Non, attends, c'est... Quoi, ce truc de fou là? On a l'unicorn, je comprends si vite pas là. On est dans les vitrines de BX, c'est qui celle-là là? Ouais, elle veut bêter dans le magot, elle veut bêter. On veut croguer, hein, les putes de la coca. Quoi? Attends, mais mets-lui ton bazooka dans la bouche là, qu'elle ferme sa gueule elle. Ah bah après, je fais comment moi, hein? Si elle me le mange, je fais comment, hein? Moi je mangeais, hein? Tu contactes, tu lui pètes les dents.
sûr. Ah ouais, c'est vrai que si je contracte, elle pourra pas le bouffer, hein. 10% pour chacun de nous. Putain, plus encore, tu vas mettre de la chantilly sur ton bazouzou, on est où là? Eh, hein, c'est que j'ai déjà fait ça. Un peu de chantilly. Moi j'ai jamais du, moi j'ai jamais du, j'ai jamais du Nutella sur une fouffe. Mais oui. Est-ce que t'as eu une infection juste après? Eh, rigole, rigole, j'ai vraiment fait. Rigole, j'ai vraiment fait. C'est pas une blague. Oh my god. Oh my god. J'ai mis du Nutella sur une fouffe. Oh là là. Je te jure, c'est vrai. Pourquoi du Nutella? Pourquoi ce choix? Les otages, tous, tous. Je sais pas moi. Dépêchez-vous là, venez. La chantilly. Faites demi-tour. Non. Mais nique sa mère. Mais 50 d'un collègue. Non, c'est bon. Allez, c'est bon, bonne chance au VIP Mayans là, c'est bon. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. The film 08. Sur cette scène, et Thomas il avait expliqué sur Discord illégal qu'il n'y avait pas de nombre. C'est pas parce que t'es 15 autour de je sais pas quoi que tu dois relâcher machin et tout, tu vois. Sur Flashback, le nombre ne joue pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, pourquoi pas tenter quelque chose, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est vrai que le gunfight, il était un peu inutile, quoi. Vraiment, c'était un peu inutile. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé. Et aussi, un petit commentaire par rapport à... Bon, Carnage, super bien. Ah, oui, le Michel, venez. Michel, bonsoir. Ah, bonsoir. Comment ça, le fameux? Bonsoir, oui. Bonsoir, Michel. Oh, Tyler, ça va? Ça va, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mon pote, ça dit quoi? Bah, rien. Hein. Ouais, après l'élimination du Paris Saint-Germain, on va dire que c'est... Oh là là, et surtout, voilà, et surtout le Real. Oh, oh, stop, surtout. Quelle équipe, ce Real Madrid, c'est... Oh là là là. Putain, t'as vu, on a mis du rose toutes les deux. Requin et frère de requin, bloquez l'entrée. Ouais, c'est qui? Attends, j'ai des flics. Attends, attends. Oh, ils ont spawné les camions. On passe ou pas du coup? Je vais l'enfoncer dans ton cul là, là, la balle! Dans ton cul! Je vais la rentrer dans ton cul, tu vas voir la balle! Je vais lui faire pute! Attends, 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 t'es bien. J'ai passé, c'est gauche, je pense. Y'a plan mule qui arrive. Non, y'a pas de plan mule, y'a pas de plan mule, y'a rien, je te jure, y'a pas de plan mule. Recule un peu, s'il te plaît, pour voir, recule! Non, non. C'est pas ici. Y'a pas plan mule ou quoi? Putain, mais c'est quoi ces plans nuls? Mais yo, c'est pas des plans mules, c'est des plans nuls! Il va recoller, hein. Retourne à droite, mon dieu. Ah, ça rafale? Il a rafale le plan mule, c'est-à-dire qu'on est bon, on est bon. Non. Vous êtes sûr, hein? Oui, oui. Oula, oula, la M4. Ouais, mais par contre, ouais. je l'ai pile devant moi là, je. Waouh! Sacré truc, hein. Ouais, c'est un sacré truc, hein. Ouais, le flashlight au bout là, ça. Ouais. Et encore, t'as pas vu le fusil à pompe? Ah! Ouais, allô. Et je parle pas de celui qui est dans le dos. Ouais, allô, ouais, quoi, c'est qui? Hein? Ouais, c'est qui? Ta mère, nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère! Je suis en bagnole là, je suis à la place des cubes. Ah, bah garde ta bagnole. Ouais, pour qu'on soit violé à deux. Oh, pardon, faut pas dire, c'est bon. Oh là là, nique ta mère. Non. Ah, il est chiant, gros. Il est chiant, c'est toi, d'ailleurs. Et là, en fait, je me dis non, je suis trop dans la merde, tu vois. Genre. Mmh. Mais tu peux. Ouais, je la dinguerie. Mais tu casses les couilles, la vie de ma mère. Mais non, mais gros, un truc sécurisé, là. Mais gros, mais tu casses mais les couilles, mais qu'est-ce mais que tu fais? Mais pourquoi pute. Tu fais dans des lieux où. Mais comment va, mais gros, mais attends, mais excuse-moi, en fait, excuse-moi, mais un rendez-vous ici avec des gens massifs.